Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, je me suis occupé du... pour que... je devienne empereur de Byzance. Hein. Donc ça s'est parfaitement concrétisé, tout s'est bien passé à ce niveau-là. Et... qui a dit ça, dit bien évidemment maintenant... quelques avantages. Le premier étant que, en tant qu'empereur de Byzance, je peux appuyer mes revendications sur tous ces territoires là. Normalement il y a aussi ici la Géorgie, mais c'est plus le cas parce que il est devenu indépendant. Bon, vous pouvez facilement constater qu'Empire Byzantin a quand même beaucoup d'espace qu'on peut récupérer. J'ai cette personne là qui a décidé de me rejoindre parce que j'ai vassalisé, je crois que ça se dit comme ça, vérifier. Donc voilà. Bon, bien évidemment, le duc de Trébizond, alias l'ancien empereur, me hait. Je pense que si on vous fait pareil, que on vous chasse du pouvoir et qu'un autre empereur vienne prendre le relais, je pense qu'on réagirait tous pareil. Bon, n'empêche que c'est génial, maintenant, l'Orient et l'Occident est réuni. Et pour rétablir l'Empire romain, il nous faut un truc important. Le duché de Venise. Disons que le duché de Venise, c'est quand même vraiment le seul endroit le plus chiant à avoir, parce que c'est le seul endroit où il faut que je fasse une revendication. Et je vais vous montrer quand même, pour tous ceux qui s'intéressent, quand même tout ce qu'il nous faut. Or, le duché du Latinium, c'est le duché du pape, entièrement sous notre contrôle. Le duché de Venise, ben, c'est Venise hein, en gros. La République de Ferrare, c'est ici. Donc le duché. Le duché de Sicile. Donc je vous mets dans cette carte là, comme ça vous pouvez voir après revendication. Empire Byzantin peut aussi revendiquer là-dessus. Donc ici. La République de Gênes, qui est. Non, ça c'est ça. Gênes, c'est ici, mémoire. Voilà, ici. Contrôler le duché de Capoue, c'est ici. C'est ici pour être exact. Donc je vous montre ici le duché de Capoue. Non, c'est pas ici. Ici, excusez-moi. Ici. Il faut contrôler. Il y a beaucoup de choses à contrôler. La République d'Assouli. Donc ça doit être encore quelques. Voilà, ici. D'Apulie, excusez-moi. Le duché de Thrace. Parce que c'est à Constantinople, bien évidemment. Le duché d'Antioche. Parce que c'est l'un des sièges... voilà, c'est Antioche. Jérusalem, bien évidemment. Alexandrie, qui se trouve ici. Athènes, bien évidemment. Tunis, la Tunis, parce que c'était l'endroit, je vous rappelle, où il y avait Carthage à l'époque. Et la Croatie, que nous contrôlons aussi. Il faut savoir que, que certains duchés, c'est en fait des endroits où il y a les sièges, en fait, de... un peu des endroits de foi, vous voyez. Pour les orthodoxes, il y a Constantinople qu'il faut contrôler, Alexandrie, Jérusalem, Antioche. Il y a 5 endroits et je ne me rappelle plus des 5. Je crois pas que ce soit Athènes, c'est un autre. Donc voilà. En fait, qu'on vous demande de contrôler, c'est les vestiges, en fait, c'est un peu les territoires de base de l'Empire romain. De base. Déjà de l'Empire byzantin, en fait, c'est le moment en fait de contrôler l'Empire byzantin et les endroits principaux de l'Empire romain. Voilà, l'Égypte, vous voyez, Alexandrie, tout ça, c'est en gros c'est l'Égypte avec Cléopâtre, Tunisie, cet endroit avec Carthage, l'Italie, bien évidemment, parce que c'est l'Empire romain. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait qu'on va vous demander durant cette mission. Cette course à reconquête de notre empire. Hein. On constate qu'on peut déjà revendiquer beaucoup, donc c'est déjà bon signe. Bon, il y aura beaucoup de guerres, je vous promets. Hein. Vous voyez, l'Azerbaïdjan, si on veut. Azov, Alani, qui serait pas trop mal. Bolgar. Pourquoi pas Bolgar, après tout. Tioumen, c'est tout ça, pourquoi pas. Sakartel, bon... ça m'éviterait en fait de rechercher un territoire un peu mieux de chez moi, mais bon. Où est-il?
Moi je raisonne toujours de cette manière là. Qu'est-ce qui me rapporte le plus? Itil. T'en es pas trop mal, sa carte est aussi. Soit à Bolgar, soit Asso. Je pense que je vais aller sur Asso en premier. C'est purement arbitraire ce que je fais, hein, bien évidemment. C'est que je déclare la guerre là où ça m'arrange. Comme toujours, hein. Donc voilà. Alors maintenant, retournons un peu sur l'histoire. Pourquoi l'Empire byzantin se considérait comme héritier de l'Empire romain? Pour la simple bonne raison qu'à l'époque où l'Empire fut créé, on a constaté que c'était pas possible pour une personne de régner sur l'Orient et sur l'Occident. Donc il a été décidé de mettre à Rome tout l'Occident en gros, et de mettre le siège de l'Orient qui contrôlera en gros tout en gros Constantinople et toutes les revendications en fait à l'Est, hein, l'Égypte, tout ça. Le but étant bien évidemment, comme toujours, d'arranger les personnes, parce que c'est ça. C'est pour éviter que une seule personne ait trop de pouvoir. Et surtout on se rendait compte que c'était pas possible de gérer un aussi grand empire tout seul. Et étant donné que, je vous rappelle, que donc l'Empire byzantin sera les restes de l'Empire romain, ils se considéreront toujours comme les dignes héritiers de l'Empire romain. C'est pour ça que d'ailleurs ils veulent reconstruire l'Empire romain. Bon, ils y arriveront jamais, parce que je vous rappelle qu'ils ont été démontés en 1453, Constantinople tombe, et ce qui mettra donc fin à l'Empire byzantin. Mais en réalité, c'est durant beaucoup de siècles qu'ils vont se faire envahir par les différents pays musulmans. Et au final, leur échec est lié, voilà, un peu leur stratégie un peu archaïque, parce que leurs légions ont conquéri le monde. Bon, à l'époque, le monde, ouais, vous voyez, c'est la Méditerranée. Pour eux. Je vois, c'est toujours pour eux. Et qu'est-ce qui restait à leur faire pour eux, honnêtement? Vous voyez, on a tout conquéri, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, pas grand-chose, hein. À part, bien évidemment, bah, le but, c'est toujours d'avoir le plus d'autorité possible. C'est toujours ça, l'objectif, hein. Mais bon, n'empêche que plus personne n'arrivera. Toi par contre, je vais pas te louper. Donc voilà. L'Empire romain s'est beaucoup basé, pour dire ce qui est, sur des stratégies militaires. Et l'Empire byzantin à l'époque va conserver pendant longtemps ses stratégies militaires. Le problème, c'est que les stratégies évoluent avec le temps, et ce qui faisait leur force a aussi fait leur faiblesse par la suite, c'est que vous avez beau avoir une armée, voilà, bien, des stratégies bien adoptées, quand vous tombez sur une armée, voilà, qui se base, après tout les légions c'est ça, sur une bonne coordination et sur un affrontement plutôt direct, vous voyez, on attend, on charge, ouais, on attend, on se positionne, c'est vraiment un combat unique. Et que vous tombez sur des stratégies d'harcèlement, comme vous tombez les occidentaux dans leur croisade contre les musulmans, ben, il va exactement y avoir le même problème. C'est que vous êtes une armée qui est fort, lent, mais très fort au corps à corps. Vous tombez contre une armée extrêmement mobile et qui va vous harceler tout le temps. Ben, au final, vous perdez. Parce que vous pouvez pas au final arriver sur les ennemis et les détruire, parce que l'ennemi vous décime tellement par harcèlement qu'au final vous perdez. Là, je résume un peu, mais c'est une grande partie de l'échec militaire de Byzance. Bon, bien évidemment, il y a d'autres choses qui vont faire que Byzance va perdre, hein, toute son autorité. Il y a aussi le fait que beaucoup de guerres civiles vont s'en suivre, hein, à Byzance. Beaucoup de personnes vont se revendiquer un peu empereur de Byzance, tout ça. Ce qui fait qu'il va y avoir une énorme instabilité. Une instabilité politique à ce temps-là.
Et quand vous êtes empereur et qu'il y a des instabilités qui s'installent, ben ça pose quand même un gros problème. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Vous passez plus de temps à essayer de résoudre les querelles qui se passent à l'intérieur de vos terres qu'à pouvoir essayer de, entre guillemets, donner une image de pays unifié. Et ça pose quand même un problème, c'est qu'au final, vous avez rien de concret contre les ennemis. Et les ennemis vont utiliser justement cette faiblesse-là, étant donné que vous n'êtes pas unis, vont utiliser ça contre vous-même. Voilà. Vous voyez, par exemple, il suffit que vous dites, voilà, c'est mieux comme ceci, c'est mieux comme ça. Vous pouvez facilement, en fait, profiter des guerres civiles à ces époques-là pour faire ce qui vous arrange. Bon, c'est normal, hein. Tout le monde profite des faiblesses ennemies pour s'arranger soi-même. C'est normal. Après tout, imaginez, voilà, vous... Qu'en peut-on imaginer? Ouais, par exemple, je pense que la plus belle comparaison, c'est par exemple, on prend l'Empire, le Saint-Empire. Le Saint-Empire sera connu pendant de très nombreuses années pour être souvent victime de guerres civiles, hein. Pour une simple bonne raison, voilà, l'Italie se veut en quelque sorte indépendante du royaume un peu du Kaiser. Voilà, les fiancés, oui. Mais ça, quand même, c'est ça qui fait quand même la force d'un tel empire, c'est que la force et la faiblesse. C'est bien d'avoir plein de cultures, mais le problème, c'est que la culture dominante se verra souvent être contrariée par les cultures un peu dominées, donc là, c'est les Italiens notamment. Et ça se fait en fait qu'au final, il y aura beaucoup de problèmes. Je prends l'argent. Le problème de paix. De paix, parce que il n'y aura même pas de paix. Hein. Par exemple, on prend Frédéric Barberousse, qui pour moi est quand même l'une des icônes des problèmes qui a pu se passer. Est-ce que je peux déclarer la guerre pour quelqu'un? Hop. Frédéric Barberousse va passer plus de temps en guerre qu'en paix, en fait. Quand il est en Germanie, dans les pays germains, c'est l'Italie qui se rebelle et inversement. Et c'est le gros problème des empires, c'est que par exemple la France va profiter de ça, par exemple, pour instaurer une autorité, par exemple, sur l'Italie. Bon, plutôt ici, vers Gênes, Milan, voilà. Mais n'empêche qu'au final, ça vous affaiblit. Vous qui êtes finalement un grand empire, vous êtes affaibli par des querelles intérieures. Et l'Empire byzantin va énormément souffrir de ces querelles intérieures. Au final, ne trouvera quasiment jamais beaucoup l'unité. Certains empereurs arriveront à maintenir, hein. Il y en a bien, ça. Bien qu'ils ont été capables de le faire. Mais c'est tellement rare qu'au final, on a oublié. Faut dire ce qui est. On aime tellement faire la guerre que c'est ça, c'est... Les gens, c'est tellement des personnes qui aiment faire la guerre, se combattre, tout ça, qu'au final, ils oublient le... Oui, on va construire, construire. Bon, petit problème, je peux pas... Je peux me permettre de créer des républiques, donc j'évite d'en recréer, mais bon, je peux... Est-ce que je peux déclarer la guerre, elle? Non. Allez, je peux. Donc voilà, au final, ça va vraiment être ça. C'est le problème des gros empires. Vous avez pu constater là, il y a souvent une bonne partie qui veulent leur indépendance. Bon. Dans le jeu, ça se traduit par des guerres d'indépendance. En réalité, c'est plus des guerres civiques pour revendiquer les titres importants. En réalité, je dis bien. Mais bon, il y aura quand même toujours ça. Le problème des grands empires, c'est souvent ça en fait. C'est beau d'avoir des grands empires. Par exemple, Charlemagne va créer un très grand empire. Mais qu'est-ce qui se passe? De un, à votre mort, ben, le plus souvent, vous partagez ça entre tous vos fils, ben, ça pose un peu problème.
Et deux, plus souvent, les personnes qui vous respectaient, respectaient en fait l'empereur qui était en place, le conquérant. Et quand on vous dit, voilà, bon, ça sera votre nouvel empereur, comment vous prendriez-vous alors qu'une personne que vous connaissiez pas, Funeschia, c'est voilà, une personne un peu inconnue, vous dit, ah, vous êtes notre nouveau empereur. Moi je serai un vassal, voilà, je prends moyen. Parce que à base, le titre d'empereur, comme je l'ai expliqué une fois, ça désigne quelqu'un de guerrier, quelqu'un de combattant, de puissant, de. Voilà, c'est. Entre guillemets, quelqu'un de reconnu. Voilà, les prouesses militaires en fait d'un empereur font de lui en fait qui est respecté. Le problème, c'est que plus souvent. Ça se passe mal. Plus stressé. Par contre, faut pas que je meure maintenant, parce que le stress c'est une catastrophe quand vous mourrez à cause de ça. Surtout que j'ai pas vraiment d'héritier, j'ai mon frangin, mais bon, ça m'embêterait. Bon, on va faire avec, hein. Je voulais regarder en fait la technologie là. Ouais, empereur désigne plutôt quelqu'un qui se bat, alors que. Que roi, c'est plus quelqu'un qui. Ouais, j'ai récupéré beaucoup de points, mais rien. Or que roi, c'est plus quelqu'un, voilà. C'est quelqu'un qui règne sur un peuple, empereur sur plusieurs. Bon, je vous ai déjà expliqué la différence. Hein. Je sais plus dans quelle vidéo, parce que ça remonte à tellement longtemps que, voilà. Bon. N'empêche que j'ai déjà expliqué une fois. Non, honnêtement. Maintien moral, infanterie lourde, infanterie légère. Annélie, voilà. Le 2 janvier. Et en fait, ils dépassent trop lentement mon armée. Il me faut quelqu'un qui arrive à le dépasser plus vite. Et voilà aussi, gros. Voilà. Ça serait plus à contrer un peu à ça. C'est pas des rôles de paysan, mais de duc en fait. Ouais, ça, ouais, c'est un peu comme des trucs d'indépendance. Bon, voilà, c'est vraiment ça qui est chiant dans les grands empires. Que ça soit dans le jeu ou que ça soit dans la réalité, c'est ça qui va toujours poser problème. C'est plus vous avez un empire grand, plus vous avez de guerre civile. Venez, vous passez plus de temps sur votre cheval à voyager pour la guerre, quand vous êtes empereur ou roi, qu'à vraiment combattre et à régner correctement. C'est quand même magistral ça. Vous imaginez, vous passez tout votre temps à combattre. C'est. Entre guillemets, c'est inconcevable, mais bon. Voilà, vous régnez pas de manière un peu traditionnelle, voilà, c'est ça que j'ai vraiment envie de dire. Là où vous régnez un peu, voilà, bon, on vous respecte tout ça, c'est pas comme un roi, là c'est. Faut vraiment vous faire respecter par la force. Génial, encore une révolte. Voilà les révoltes. Qu'est-ce que ça m'exaspère, les révoltes? Mais bon, voilà. Alors, l'avantage de dans le jeu là, je vous conseillerais de faire une partie en commençant pour de Byzance, parce que vous avez plein de guerres. Des guerres civiles, une grande guerre au début. Mais si vous arrivez à vous en sortir au début avec les guerres civiles et les guerres que vous font... les guerres saintes, voilà, je cherchais, non. C'est les guerres saintes. Ben, vous arriverez à défendre au final vos terres et vous irez très vite en fait rechercher en fait des terres un peu à l'ouest en Italie, parce que vu que c'est au début du jeu et c'est plein de ducs indépendants, ben c'est pratique pour récupérer rapidement beaucoup de terres, hein. Et au final vous arriverez très rapidement à avoir énormément de terres et donc beaucoup d'armées, même si vous perdez la toute première guerre qui est quand même assez dure à gagner. Voilà, c'est quand même non négligeable. Bon.
c'est les rébellions, des rébellions et encore des rébellions. C'est fatigant toutes ces rébellions. Mais bon, ça va aller, hein, on est habitué. Donc le problème c'est quand même la Géorgie. Voyez là. J'ai meilleur temps de faire appuyer ma revendication que j'ai dessus plutôt que de faire une guerre sainte. Qu'à guerre sainte, je risque d'être en guerre contre plusieurs personnes. En début de partie, c'est très important de faire attention à ça. Si vous pouvez récupérer des territoires en évitant des guerres saintes, faites-le. Mais après, voilà, vous regardez. Est-ce que faire une guerre sainte, vous savez que vous avez plein d'alliés qui vont venir vous aider. Par exemple, vous dites, je vais faire une guerre sainte là, je sais qu'il y a tous mes alliés qui vont venir, donc je vais gagner beaucoup de terres. Le roi, le duc, voilà, parfait. Ah, et c'est comme ça qu'on avance petit à petit sur un géant. Donc, par exemple, là c'est un peu éclaté, donc ça va encore. Par exemple, vous faites une petite guerre sainte, par exemple, contre une personne là. Imaginez, par exemple, là, la Horde d'Or, un peu tout le monde là, vient de s'allier. En début de partie, c'est très dur à pouvoir contrer. Tant de troupes notamment. Alors que par exemple, vous regardez, il a ça comme allié, tout ça. Ça passera déjà mieux. Ça passera mieux étant donné que... Rostov. Étant donné que vous évitez d'être en guerre contre d'autres personnes. Ça a fouillé des grandeurs en quelque sorte. Là c'est... Pereskav, Savetsky. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Hein. Je sais que mon russe est exceptionnellement bien. J'ai un très bon niveau de russe. Hein. Ça se voit après tout. Et la baronnie ici. Tsasny. Non, Biansny. Il est déjà quelqu'un en fait. Non. Ah bah vous voyez, je suis aveugle. Donc maintenant, vous voyez, comme ça maintenant, on peut redonner des duchés. Voilà, duché à cette personne à donner. Le duché... Moi j'aime bien en fait donner le duché à personne en fait en charge du duché, vous voyez. Par exemple, c'est Rostov. C'est le duché de Rostov, j'aime bien que ce soit la personne de Rostov qui est le duché, vous voyez. Bon, c'est plus quelque chose de personnel, que vous l'appliquiez ou pas, ça change rien, mais voilà, je vous le dis. Voilà. Bien évidemment, avoir conquis ça, ça me donne aussi plus d'argent. Hein. Bon, petite quand même comparaison, on est au courant qu'il y a eu deux empereurs. Il y a eu l'empereur anglo-saxon de Byzance et l'empereur de Saint-Empire. En réalité, le problème qu'il va y avoir, c'est que certainement, Byzance n'aura... Les héritiers de Byzance n'auront pas de garçons. Bon. Attendez, je regarde. Ouais, mais bon, on va indiquer ça. Disons que en fonction du temps, vous aurez toujours différents empereurs et il y aura surtout deux empereurs qui vont s'affronter. L'empereur de Byzance, parce que Byzance bah, c'est en quelque sorte l'empereur d'Hérite. Le vrai empereur, parce que normalement on dit empereur, normalement ça fait référence à l'Empire romain, tout ça. Ah bah c'est ça. Le titre d'empereur, ça fait référence à ça. Mais l'empereur de Saint-Empire va... À l'époque, je crois que c'est vers les années 800, constater que c'est un impératrice qui règne. Et le problème, c'est que ça arrive parfois qu'on n'ait pas d'homme en tant qu'héritier et c'est une femme qui hérite. Et l'impératrice, les chrétiens occidentaux ne reconnaissent pas, voilà, ils ne reconnaissent pas quand ça peut être une femme qui peut régner. Et ce qui va se passer, c'est que bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? Ben,
on crée un titre d'empereur. Voilà, pour dire je suis en réalité le vrai empereur. Là, c'est une fausse personne, c'est pas bon. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'empereur de Saint-Empire et l'empereur de Byzance vont toujours en fait se détester. S'ils auraient, honnêtement, si l'un des deux aurait pu récupérer l'empire de l'autre, ben il l'aurait fait. Hein. Et il se cache pas en plus. Hein, c'est... Disons que c'est aussi tellement, voilà. Vous êtes habitué, par exemple, à toujours savoir que c'est des hommes. Vous êtes habitué, voilà, c'est toujours des hommes qui ont toutes les choses importantes. Ça se comprend, ça peut se comprendre, voilà. Moi, honnêtement, je trouve ça totalement débile, mais bon. On va dire que ça peut se comprendre. Quand on vous dit que finalement vous êtes une femme, donc vous pouvez pas hériter, alors que qu'au final vous, techniquement vous pouvez avoir les mêmes forces, mais mine de rien n'empêche que vous restez une femme, et c'est des idées préconçues qui vont faire que y aura énormément de guerres civiles, on peut dire. Notamment parce que c'est une femme qui est... Une personne croit qu'elle est hérétique, c'est marrant. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Ah bon, tant pis. J'aurais préféré... Bon, tant pis. J'aurais préféré aller à droite en premier, c'est pas grave. Donc en gros, l'empereur de Byzance, c'est un peu le chef suprême, en gros. C'est le seul, en réalité, c'est le seul empereur à être vraiment héritier de l'Empire romain. C'est peut-être le plus important à dire. Ouais, c'est le seul. Parce que les autres empereurs, ce sera plus des faux empereurs. Hein. Parce que, ouais, ils se disent empereurs, mais en réalité, voilà, c'est... Ah, ça fait comme une... c'est comme une référence à Bas Empereur qui sera pas respecté par la suite, mais bon, voilà. J'ai déjà tellement expliqué ça qu'à force j'ai plus besoin de le revenir dessus, je pense. Voilà, cette guerre là, cette bataille là est gagnée. L'ordre teutonique se fait toujours aussi facilement démonter. La belle ironie, c'est que... Ah. Hérité de la Prusse. Ah oui. Oh bah très bien. Marienbourg. Tiens, petit... Marienbourg sera le siège de Horde Teutonique, faut savoir. Je pense que vous connaissez dessus. Hein. Ouais, c'est... C'est comme un grand endroit, Marienbourg. Donc voilà, je vous ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire sur un empereur. Hein. Ça. Enfin, un château dessus. Donc voilà, c'est... Être empereur, c'est bien, mais... Faut éviter quand même de s'attirer à cœur des autres. Enfin, moi, je pense que c'est quand même la conclusion qu'on peut en tirer. Je pense que c'est quand même la chose peut-être la plus problématique qui peut exister, ça. Ben évidemment, moi il va encore avoir une guerre civile sans lui. J'en refuse. J'en refuse parce que j'attends que la rediscussion soit fabriquée. Hein, donc voilà. Ah, je voulais aussi vous informer d'une chose, entre temps, vu que la vidéo va mettre à son terme, je vais faire passer toutes les lois de revendication de l'Empire byzantin. Faut qu'il fasse passer, donc ça prendra un peu de temps. Donc il y aura peut-être quelques revendications que vous verrez pas qui seront créées entre temps. Donc voilà. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme. Ça doit pas faire si longtemps que ça, mais voilà, bon.
Dans le cas où je me plante, on va finir cette petite rébellion ensemble. Certaines personnes m'ont demandé d'aller plus loin, mais je trouve c'est déjà assez long. Déjà, je trouve une campagne comme ça. On va faire une campagne plus longue, non. Déjà, de 1, je risque de faire planter le jeu en modifiant des fichiers. De 2, je. Ça sert à rien. Déjà suffisamment aussi long. J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas une autre guerre sur les bras, parce que ça sera vraiment chiant ça. Vous voyez, c'est. Voilà, il y a. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent contre moi, c'est. C'est chiant. Et on peut rien y faire en plus, ça, les gens vous aiment pas, voilà, c'est. Voilà. Bon. Ce qui est bien, c'est que chaque année, je gagne un peu de. Il m'aime un peu plus parce que ça fait un règne un peu plus long. Mais n'empêche que c'est toujours aussi embêtant. On va envoyer ça. Ça ici, ça va le faire. Oui. Ça diminue assez vite, vous voyez, plus que 32% là. Voilà. Nous serons bientôt en paix. Oui. Ça c'est normal, hein. Attendez. Traverse la mer. Désolé que ça va pas m'avantager. En plus, de 1, je traverse les eaux, de 2, il est sur des collines. Quelle bonne défense. Heureusement que j'ai pensé à prendre plus de troupes. Honnêtement. Ils auraient pu tellement être pires. Encore une. J'en ai marre des révoltes. Honnêtement, si quelqu'un sait comment on vire toutes les révoltes, ça m'arrangerait parce que. Je sais ce que vous allez dire, ouais, ça fait partie du jeu, mais. Passer des épisodes plus à m'occuper des révoltes qu'à vous proposer vraiment du vrai contenu. Voilà, bon, tant pis, on va faire avec, on n'a pas le choix. Non, boum. Ouais, en tout cas on va s'arrêter là. Entre temps je vais m'occuper des revendications. Je vais m'occuper pas des revendications, je vais m'occuper des. De la loi de l'Empire de Byzance, hein, pour que ça se passe. Donc voilà. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Et vive le jeu vidéo.